On est Masechet Yoma, Daf Mem Zayin Amud Alef, on commence un nouveau Perek, Perek Khamishi. Otio lo et akaf. Otio lo et akaf. Donc ils lui ont sorti la kaf, Veta Martha, et la kaf, et la cuillère, la grande, genre de grande cuillère comme ça, et la Martha, et la pelle dans laquelle on mettait les Gechalim. Ouais. Vechafan, pardon, Chafan, c'est quoi Chafan? Melo Chofnav. Donc, il prenait la kétoret. La kétoret, qu'on a dit quoi? C'est un mélange d'herbes, ouais, avec laquelle on va faire les encens. Donc, il faisait Melo Chofnav. Il devait prendre Melo Chofnav, c'est-à-dire avec les deux mains. Il prenait dans sa main, dans ses deux mains comme ça, il prenait une partie entière deux poignées entières de kétoret. Melo Chofnav. Nathan, les torakaf, il va mettre dans la cuillère. Hagadol, les figodlo, et Hakaton, les figotno. Le grand. En fonction de la taille de ses mains, et le petit en fonction de la taille de ses mains. Donc il n'y a pas une mesure spéciale, c'est en fonction des mains du Kohen Gadol. Et c'était ça la mesure, ouais, en fonction de la taille de la main du Kohen Gadol. Natal est à Martha, il prend la Martha Bimino, donc la pelle avec les Gechalim, les braises qu'il a pris du Mizbéa, Vetakav Bismolo, et la pelle avec les Ketoret dans sa main gauche. Très bien. Martha, la Gemara pose la question. Martha, Tanale, Natale ta Martha, voilà les roches à Misbeach, Véchoté. Ouais, on a déjà vu dans la Daf Mem Gimel qu'il a déjà pris la Martha, ouais. Voilà les roches à Misbeach, il est monté sur le Misbeach, Véchoté, il a pris des braises de là-bas. La Gemara elle répond, donc c'est une autre Martha, c'est quoi? La Gemara elle répond, elle dit, Atam là-bas, hein, Martha de Gechalim, c'est la pelle avec laquelle il a pris des Gechalim. Aha, ici, Martha d'Iktoret, c'est la Martha dans laquelle il a mis les encens. Au-dessus des Tania, il est marqué dans une braïta, hein, au-dessus l'eau, kaf, rekan, milishkat akelim, ils sont sortis une pelle vide de l'endroit où on gardait les ustensiles, au Martha, gedusha, shel ketoret, et une Martha, une pelle pleine de ketoret, milishkat betaftinas, de l'endroit de betaftinas, là-bas où ils préparaient les encens. La Mishnah a dit, chafan melochofnav, il a pris avec ses deux mains une pleine poignée de, enfin une double poignée de. D'encens. Les noten les torakaf, agadol, les figodlo, akatan, les figotno, les kachaita midata. Donc, ça, c'est la Mishnah qu'on avait. La Gemara a dit kaf, beyom akipurim, la mali. Pourquoi il a besoin d'une pelle pendant Yom Kippour, ouais? A priori, il n'y aurait pas besoin. Ou melochofnav, vevi, il y a marqué dans le pasouk. Velakar, etc., melo, etc. Melochofnav, il y a marqué dans le pasouk. Ketoret, samim, daka, vevi, mette la part au chet. Il n'y a pas marqué qu'on a besoin de mettre dans la pelle, ouais, dans la cuillère. A priori, Amarachamana, le pasouk qu'il a dit, je prends avec mes mains et je l'emmène au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim ou dans le Misbéach. Donc pourquoi la Mishnah me dit que j'ai pris avec une cuillère? La Gemara dit, Milchum de l'Oefcha, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Dehina Avid, comment il va faire, hein? S'il va faire, il va prendre dans ses mains. Neayel, Veadar, Neayel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener les Gechalim et la Martha avec les Gechalim, avec les braises. Et après, il va revenir, il va revenir chercher la kétourette, il va revenir emmener la kétourette dans le Kodesh à Kodashim. Et pourtant, Avah Achat, il n'y a marqué qu'une seule, là, Avah Achamana. La Torah, elle a marqué Ve'evi. Machmana qui a marqué Ve'evi. Il l'emmène une seule fois dans le Kodesh à Kodashim. Il a le droit d'aller qu'une seule fois pour emmener la kétourette. Il ne va pas faire un aller-retour. Nishkele, les kétourettes, Bechofnav, Benarte, la Martha, Allah. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le Kohen Gadol, il va prendre les kétourettes dans Bechofnav, il va mettre la Martha, Chofnav c'est dans ses mains, ouais. Il va mettre la Martha des Ketoret par-dessus, Vénéhoul, et il va y aller, Kimate, Atam, quand il va arriver là-bas, Echina Avid, il a dans ses mains, il a les Ketoret, et par-dessus il y a les Gechalim. Comment il va poser il faut qu'il pose les Gechalim, après qu'il pose les Ketoret, comment il va s'en sortir? Echina Avid, comment il va faire? Nishkele, Bechine, Vénarte, les Martha, il va prendre avec ses dents la Martha, et il va la poser, et après il va mettre les Ketoret par-dessus. Ashta, l'ifne basar vadam, l'ifne meler basar vadam, en osimken, devant un roi de chair et de sang, ouais. On ne va pas faire comme ça fait, c'est pas beau, ouais, de prendre avec ses dents, de poser, etc. L'ifne meler, mechre, melachim, akadosh baruch hu, devant akadosh baruch hu, alachat kama vekama, à plus forte raison que ça ne se fait pas. Il kach lo efchar, et donc c'est pas possible. Et donc, étant donné que c'est pas possible, c'est pour ça qu'on a besoin de prendre dans une. Avec Evan de lo efchar, étant donné que c'est pas possible, avdinan, kede ashkechan ben essihim, on fait exactement comme on a fait avec les. Corbanot de Nessim, il y en a des humains, on a vu dans la parachat de la semaine dernière, que dans la parachat de Nassau, qu'il prenait dans la kétorette, dans une caf. Ouais. Très bien, la Mishnah, elle a continué, elle a dit, Natal est à Martha Bayamin, est à caf bismol. Il a pris la Martha, donc la pelle avec les braises dans la main droite, et la cuillère avec les kétorettes dans la main gauche.
La Gemara, elle dit, elle est étonnée, hein? Elle a dit, Yativa be'ara, ve'uya ve'giora bishme shemaya. Donc le Ezrar, donc a priori Yativa. Yativa, c'est la chose importante. L'homme important, il est sur terre. Ve'giora bishme shemaya. Et le guerre, le Zar, hein, il est en haut dans le ciel. La Gemara, elle s'étonne en disant, comment c'est possible que le secondaire, qui est les braises, on le met dans la main droite, et les kétorettes, qui est le plus important dans l'histoire, on le prend dans la main gauche. A priori, on donne toujours la Torah, elle donne plus d'importance à la droite. On aurait dû faire l'inverse, on aurait dû prendre dans la droite les kétorettes. Et dans la gauche, les braises. Pourquoi on a fait l'inverse? La Gemara dit « Zomeruba, Zomouetet ». Ça, il y en a beaucoup, et ça, il y en a un peu. Donc, étant donné qu'il y en a beaucoup, ce qu'il y a beaucoup dans les braises, il y en a beaucoup, c'est lourd. Donc, on va la prendre avec la main droite. Ce qu'il n'y en a pas beaucoup, on met avec la main gauche. La filobisman chechneem shabim, et même si il y a la même quantité, les deux ils sont aussi lourds, on prendra les braises dans la main droite et la cuillère de kétoret dans la main gauche. La Gemara elle pose la question, Ukhmaase de Rabbi Ishmael ben Kimchit, et comme le maase de Rabbi Ishmael ben Kimchit, Rabbi Ishmael ben Kimchit, il était très grand et très fort, hein, et quand il prenait avec ses mains, hein, ça faisait une quantité beaucoup plus grande que des braises, hein, que les braises. Donc ça sera plus lourd du côté gauche que du côté droit. Donc malgré tout, on va prendre comme ça, dans la main droite les braises, dans la main gauche les ketoret. Amrou alav al Rabbi Ishmael ben Kimchit. On a dit sur Rabbi Ishmael ben Kimchit, Shaya chofen arbaat kabin, que quand il prenait la melo chofna, c'était arbaat kabin. C'est énorme, hein. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est parce qu'elle est sur la Martha aussi. Sur la pelle, il prenait 4 cabines, il tombait, il en restait 3, donc il y a une qui était tombée. Non. Je ne me rappelle pas. En tout cas, c'était énorme. Bemelochovna, avec Melochovna. Veomer kol anashim zerdou, vered ima ala lagad. Donc toutes les femmes, donc le Rabbi Ishmael ben Kimchit, il disait sur lui-même que toutes les femmes, elles ont un zered normal, ouais. Zered ima ala lagad, et le zered de ma mère, elle montait jusqu'au ciel. On va voir c'est quoi zered exactement, la Gemara va poser la question. Deux possibilités. Ikadamre, il y en a un qui dit que c'est quoi zered? Be'arsan, c'était la nourriture qui donnait à manger, la daïsa qui donnait à manger à Rabbi Ishmael, elle était tellement bonne que ça l'a fait grandir, il a bien mangé et ça l'a fait grandir de manière énorme. C'est que des rabbins bar Yonatan, la mar rabbin bar Yonatan, la mar rabbi Echiel, arsan y a fait la cholé. Le arsan, la daïsa qui est bien préparée, c'est bien pour le malade qu'il puisse reprendre des forces. Machma, que s'il lui a donné ça à manger quand il était jeune, alors il avait beaucoup de force et il a bien grandi et il est devenu Rabbi Ishmael ben Kimchit qui était grand et avec de grandes mains. Vikadamre, deuxième possibilité, le Shirvat Zera. C'est le Shirvat Zera. Quel est Rabbi Abaou? Des Rabbi Abaou Ramé, Ktiv. Rabbi Abaou, il disait comme ça. Vatazre ni chayil la milchama. Il y a marqué dans Shmuel que, avec toujours le Vatazre ni chayil la milchama, hein, le même mot. Pour dire, il y a marqué juste après, il y a marqué aussi dans Shmuel que tu m'as donné beaucoup de force dans la guerre. Hein, c'est ça le passage. Il y a marqué deux fois comme ça. Amar David l'ifna Kadosh Baruch Hu. David a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Zeretani, Vezeratani. C'est-à-dire que tu as choisi, déjà avant ma conception, tu as choisi le Meshubar du Zera. Hein, et dans le Meshubar, tu as choisi encore le Meshubar, la partie Meshubaret, avec plaisir, Tzadik. Rabbi Ishmael ben Kimchi, il dit la même chose. Il a dit la même chose sur sa mère, que la tipa qu'il a enfantée, elle était Meshubarat de Meshubarat, et c'est pour ça qu'il était grand et fort, comme il était Rabbi Ishmael. Amrou alav al Rabbi Ishmael ben Kimchi. On a dit sur Rabbi Ishmael ben Kimchi. Pamachat, une fois, une fois, il était en train de parler avec un Arabi au marché. Et le Tsinor, il a le Mipiv. Ouais, il y a une laisse ouverte. Hein. Il y a eu un petit peu de salive il lui a postillonné dessus. L'Arabe, il a postillonné dessus sur Rabbi Ishmael ben Kimchit. Rabbi Ishmael, il était Kohen Gadol, hein, on avait dit. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Al-Begadab, sur ses habits. Ouais. Benichnas Yeshvav Achiv, Yeshvav son frère, il est rentré au Beth Amikdash comme à sa place, Veshimesh Tartar, et c'est lui qui a remplacé en tant que Kohen Gadol. Veraata Iman, et leur mère, elle a vu, Shne Kohanim Gdolim Beyom Echad, elle a vu
ces deux frères, la mère des deux frères, qui était Cohen Gadol, le même jour, ces deux frères étaient Cohen Gadol. Un avant d'être tamé, et l'autre après d'avoir été tamé, parce que le roc du Goy, il était tamé. Mais Shuv Amu Alav, Al Rabbi Ishmael Ben Kimchit. Et encore, ils ont dit sur Rabbi Ishmael Ben Kimchit. Pam Achat, Yatsav et Siper, Imadon Echad Bashuk. Une fois, il a parlé avec un autre homme dans le marché, Veniteza Tinora Mupiv, et il lui a craché dessus, Al Begadav, sur ses habits. Venirtas Yosef Achiv, et son frère Yosef, Veshimesh Tartav, il a remplacé et il a servi au Beth Amikdash à sa place. Verata Iman, et sa mère, elle a vu, Shne Kohanim Gdolim, deux de ses enfants qui étaient Kohanim Gdolim, Beyam Echad, le même jour. Tanou Rabanan, et là on a une braïta extraordinaire qui nous dit comme ça, qu'on connaît très bien. Shivra Banim Ayula le Kimchit. Elle avait sept enfants Kimchit. Ve Kulan Chimchou, Ve Keyona Gdola. Et tous ils étaient des Kohanim Gdolim. Hein? Il y a fait exactement. Amroula Chachamim, les Chachamim lui ont dit, mais Asid Chesarit Leka, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait qui était. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter que tous tes enfants ils soient Kohen Gadol? En gros, c'est quoi ce shrout que tu as? Amradaim, elle leur a dit, Miyamai Lorau Korot Beti Kine Seari. Jamais les poutres de ma maison, ils ont vu la couleur de les Kine Seari, ils ont vu mes cheveux. Ouais. Et donc, elle avait toujours une mikvachat sur la tête. Amroula, Arbe Asuken, Velo, ils ont répondu, beaucoup ont fait comme ça, et ça n'a pas marché, ils n'ont pas eu des enfants comme toi tu as eu. Alors on a posé la question avec les jeunes tout à l'heure, on a dit pourquoi ils ont fait, c'est quoi cette réponse de l'Agmara, hein? Elle a dit que c'est ça le scrout. Et eux ils disent non, c'est pas ça le scrout. Alors le Meiri il explique, il dit que Akadosh Baruch Hu les chauffait de colarette. C'est exactement qu'est-ce que, chez elle, en effet c'est elle, le scrout qu'elle a eu c'est qu'elle elle s'est couverte les cheveux, et qu'elle a eu le qu'elle était meilleure de sa noix. Ouais. Mais bon, ça ne veut pas dire que si quelqu'un d'autre fait cette même mitzvah, hein, elle va recevoir le même sahar. Parce qu'en fonction de chacun, la mitzvah elle est différente en fonction de l'effort. Les fum sahara, hein, en fonction de la force, en fonction de la difficulté du nisayon, alors le sahar il est différent. Ouais. Et donc Kimrit, elle a eu le scrout parce que sa mitzvah elle était meilleure. Tanoura Banane, on a une autre braïta qui nous dit. On revient maintenant sur le Kohen Gadol. Bekumso. Donc là, le Kohen Gadol, quand il prend une mincha, le Kohen, pas forcément le Kohen Gadol, c'est marqué Bekumso. Ouais. Bekumso, c'est quoi? Komet, on a dit c'est dans une poignée. Ouais. Bekumso, dans sa poignée à lui. Chez Loïa, c'est quand on prend du solet, ouais, il y a marqué qu'il doit prendre Bekumso. Chez Loïa, c'est Midal et Komet. Pourquoi il y a marqué Bekumso? Parce que c'est en fonction de la main de la personne. Et donc, on ne va pas faire un cli qui contient une mida meyoukhede, puisque c'est en fonction de la main du Kohen. Ibayalu, on a posé la question. Maouchaya ase mida le chafina. Donc là, on parle de la kumsa, c'est le solet. Hein. Maintenant, la chafina des ketoret, mais le chofnav, on a dit. Alors peut-être que si jamais il y a marqué les kumso, que là-bas, on n'a pas le droit de faire une mida, on n'a pas le droit de faire un cli spécial. Alors peut-être que dans la chafina, on a oui le droit. Hein. Adam, la Gemara répond, elle dit là-bas, Adam, il y a marqué Bekumso, il y a marqué dans le duc de Bekumso, Avalacha, mais ici, c'est l'octif Bechofnav, il n'y a pas marqué Bechofnav, et là, Melochofnav Ketoret Samim Daka, il y a marqué qu'il doit remplir Melochofnav, c'est demain, Ketoret Samim Daka, avec de la Ketoret, hein. L'eau, peut-être qu'ici, on n'a pas le droit de faire une Mida, Odilma, ou alors, Yalif, Melo, Melo, Mikumso, ou alors, oui, on va faire une juxtaposition entre Melo et Melo, parce qu'il y a marqué Melochofnav, et il y a marqué Melochumso. Donc peut-être qu'on va faire oui une xerach avant entre les deux. Et oui, on va pouvoir apprendre de la ketoret, de la solette, on va pouvoir apprendre pour la ketoret. Moi, elle veut ramener une preuve de notre Mishnah. Tashma, viens écoute la Mishnah. Les kachaita midata. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Comme ça, c'était sa mida. Maïlav, shim ratsa la sot mida aussi. Ça ne veut pas dire que s'il veut faire un cli avec la mesure et pile, alors il peut. Ouais. La Gemara, elle répond, elle dit non, l'eau. Arikama, comme ça, il faut lire. Comme ça, il doit être roser, il doit revenir et faire et le remettre dans sa main. Donc, machma de là, hein, qu'il faut, même de notre Mishnah, ou en tout cas, on ne peut pas apprendre de notre Mishnah, parce qu'on peut expliquer que de notre Mishnah, il doit prendre mamash avec sa main. Hein, et donc, il n'a pas le droit de faire il n'a pas le droit de faire un cli. La Gemara dit, donc ça veut dire quoi avant de continuer, ouais. Ça veut dire quoi de notre Mishnah? Choser vechofnav mifnim. Ça veut dire qu'il doit remettre dans sa main une fois qu'il est dedans, une fois qu'il est à l'intérieur. Il doit remettre la ketoret dans sa main. Hein. Donc, la Gemara, elle dit, Shamat Mina, d'après ça,
Après ça, tu viens et tu me dis que il doit faire la chafina, hein, il doit prendre dans ses mains. Et après, une fois, et il le met dans la cuillère. Et après, une fois qu'il est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il doit remettre dans sa main et il doit reprendre dans sa main. La Gemara dit, a priori, c'est pas possible. Hein, pourquoi? Parce qu'on va voir dans la Gemara un peu plus loin, dans deux dapim, qu'il y a une machloquette. Est-ce qu'il doit remettre dans sa main ou pas? Si dans deux dapim, on va voir qu'il y a une machloquette, est-ce qu'il doit remettre dans sa main ou pas? Le schéma de la Mishnah, qu'on parle dans un cas où on ne peut pas apprendre de ça de la Mishnah. Hein. La Gemara, elle répond de ça. Donc, Dilma, peut-être, chez Imratza la Sotmida, on sait, peut-être que s'il veut, il peut faire. Inami, ou alors, chez Lo Yirsar, chez Lo Yotir. C'est pas que Choser Vechofen, ouais, c'est pas ça, c'est que jamais, c'est que il faut qu'il peut mettre pas plus que ce qu'il a pris dans sa main, ni plus ni moins, ouais. Donc il faut qu'il y ait la mesure identique que ce qu'il y avait dans sa main. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit, il y a un passouk qui a marqué, Vekamat Smitcham Akohen, Melo Kumso, ouais. Donc c'est le passouk qu'on parle de la solette, il fait Melo Kumso, ça veut dire quoi? Il prend dans sa main. Et on va en parler tout de suite. Yachol Mevorat, ouais, ça veut dire quoi Yachol Mevorat? Ça veut dire que peut-être qu'il va prendre des morceaux qui sont pas... il va prendre dans sa main, et même ce qui dépasse, etc., il va l'emmener sur le misbéa. Hein. Talmud Lomar, Bekumto. C'est marqué dans le pasuk Bekumto. Dit Bekumto, Yachol Afilou Berashe Etzbaotav, Talmud Lomar, Melokumto. Donc, étant donné qu'il y a marqué Melokumto, même ce qu'il doit prendre dans sa main, et ce qui dépasse, il doit l'enlever. Mais même ce qui dépasse de ses rachets et de ses baotav, il doit l'enlever. Ouais. Ce qui dépasse de ses doigts, il doit l'enlever. La Gemara, elle dit qu'elle est kamse inche. Comment il fait? Comme ils font la kmitsa, les hommes, ils ont l'habitude de faire la kmitsa. Aketat, comment ça marche? Comment il doit faire? Chofé shalosh et de baotav, al pisat yado. Ouais. Il doit mettre ses trois doigts dans sa main. Ouais. Il doit prendre et il met dans ses trois doigts. Et le trois doigts. Ouais. Avec. On va voir tout de suite. Ouais. Vekomet. Et il serre dans sa main. Ouais. Ou Bemachavad, il met dans une Machavad, une poêle, ou Bemachéchet, et ou alors dans une casserole comme ça, un peu plus grande, Mochek Begoudalo, avec son Agoudal, il est Mochek, il égalise, ouais, avec son pouce, Begoudalo, Milemala en haut, ou Bezbawaktana, Milemata, et avec son petit doigt en bas. Vezo y avoda kasha chez Bamikdash, et c'est le travail le plus dur qu'il y a au Betamikdash. Ah ouais. Que tu dois rester clairement fermé? Je sais pas pourquoi. La Gemara dit Zohi, quoi, c'est ça la Vetulo, c'est ça le travail le plus dur du Beth Amikdash, et quoi, il n'y en a pas d'autre. Veaïka Melika, et pourtant on a enseigné qu'il y avait la Melika. La Melika, c'est quoi? C'est la Shrita du off, du poulet. Hein? Comment on faisait la Shrita du poulet? Au Beth Amikdash, on ne faisait pas par devant, on faisait par derrière, par la nuque. Il fallait qu'il fasse la Shrita par la nuque, et en faisant la Shrita avec son ongle, hein, et en faisant la Shrita avec son ongle, l'ongle, il devait percer la nuque du poulet. Donc les os du poulet, et il devait percer, trancher les shimanim, le canet vevechet. Hein. Veaïka chafina, et aussi la chafina, c'était un moment qui était difficile au Beth Amikdash. Donc pourquoi tu me dis que c'est la kmitsa, c'est le plus dur? La Gemara répond, elle dit non, et là, zo, i, me avoda ta kashot, c'est Bamikdash. C'est un des avodas difficiles du Beth Amikdash, c'est la kmitsa. Amar Rabbi Yochanan, il nous dit, Bari Rabbi Yoshua ben Uzara. On a posé la question à Rabbi Yoshua ben Uza. Ben Abenaïm, Shel Melokumto, Mahou. Donc, quand j'ai pris ma mesure de solette, ouais, maintenant, entre mes doigts, ouais, il va forcément y avoir des restes de solette, de. Comment on dit solette? Semoule. Ouais. Il va y avoir des restes de semoule entre mes doigts. Ce reste de semoule-là, il fait partie de quoi? Il fait partie de ce qu'on donne au Kohen, ou il fait partie de ce qui doit aller sur le Misbéa, hein, ouais. Mahou, c'est ça la question. Mahou, qu'est-ce qu'il est? La Gemara répond à Marav Papa. Marav Papa, il dit de gavai lotibaela, de vadai kometsu. De ce qui est dans la partie intérieure du pouce, des doigts, ouais. Donc dans le doigt, l'épaisseur du doigt, il y a la partie intérieure et la partie extérieure. La partie intérieure, c'est sûr que ça appartient au komets. De barai, la partie extérieure, lotibaela. J'ai pas de problème, de vadai shiraimu. C'est vadai que ça reste ça doit aller dans les shirim, dans les restes qu'on donne au Kohen. Kiti Baelar, la question elle est de Bene Bene Mai. Quand c'est pile entre, ouais, c'est pile au milieu du pouce, ouais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça appartient à l'intérieur ou ça appartient à l'extérieur? Rabbi Yochanan, il nous dit Adar Pshata. Rabbi Yoshua Ben Uza. Il est venu, il a expliqué Rabbi Yoshua Ben Uza, il a expliqué la question. Ben Abenaïm, ça fait que ce
qui est entre les doigts, ça fait, c'est un safek. Rina, Echiavin. Et donc, comment il va faire? Amar Rabbi Hanina. Donc, si c'est un safek, on ne sait pas si ça doit aller sur Misbeach ou si ça doit aller au Kohen. Comment il va faire? Maktir Kometz le Choudé. D'abord, il va être Maktir le Kometz, donc ce qu'il y a entre les doigts, ce qu'il a pris dans la Kmitsa, la poignée qu'il a pris. Il va être Maktir en premier, tout seul. Techila. Ve'adar, et après, Ben Amenaim. Et après, il va être Maktir sur le Misbeach, ce qu'il y a entre les doigts. Ce qu'il y a sur le doigt, entre les doigts, au milieu. Dei Amar Ben Abenaim Be'esha, parce que si tu vas mettre en premier Ben Abenaim, en premier, tu vas le mettre sur le Misbeach, Dilma Shiraim Ninou, peut-être que ça fait partie des restes. Et si ça fait partie des restes, va vous les ou Shiraim, Shechasrou Ben Kmitsa le Akhtara. C'est comme si j'ai mis les Shiraim, c'est ce que j'ai mis sur le Misbeach, les Shiraim Ben Kmitsa le Akhtara. Et c'est pas seul, hein, va Amar Mor Shiraim, Shechasrou Ben Kmitsa le Akhtara, En Maktirim Alem et Takomet. Si je suis Maktir les Shiraim, alors le comète, il n'est pas saoul, ouais. Et s'il n'est pas saoul le comète, alors j'ai pas le droit d'être maxir auto, j'ai perdu ce corban-là, je dois refaire un corban, ouais. Alors comment on fait? Comment ça rentre? Yari, Ashtanami, si c'est comme ça. Ici aussi, Ykrekan, Kol, chez Mimnou, Laishim, Areou, Bebal, Taktirou. Ici aussi, si je fais ces Shiraim-là après, enfin, si je fais ce Safek-là après avoir fait le comète, ouais, peut-être que c'est aussi un problème, pourquoi? Parce que ça s'appelle Kolchim Menou Laishim, Reou Bebal Taktiou, j'ai pas le droit d'être Maktir Oto sur le Misbeach. Donc si c'est des Shiraim, j'ai pas le droit d'être Maktir Oto sur le Misbeach. Donc comment je fais? Amar Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Shimon Menpazi, de Maktir les Shum Etim. Je suis Maktir Oto en tant que Etim. Je ne suis pas Maktir Oto en tant que Solet, je suis Maktir Oto, je le mets sur le Misbeach en tant que bois. Et en tant que bois, hein, c'est valable. Et Rabbi Eliezer, comme ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, de Tania, Rabbi Eliezer Omer, les Réach Nichoir. Le corban qui est le réach nichoir, en tant que corban, il y a tamale, j'ai pas le droit de le monter. Ah bah la tamale, les choumetim, j'ai le droit de le monter en tant que etim, en tant que bois, en tant que combustible pour le misbeach. La Gemara dit, ah nicha, les Rabbi Eliezer, ça va bien d'après Rabbi Eliezer, qui dit qu'on a le droit de le monter en tant que bois. Et là, les rabbanan, mais d'après Chachamim, qui sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, que j'ai pas le droit de le monter en tant que bois, maïk alememar, qu'est-ce qu'il va dire? Amar Rav Mari, dekamte shemene, il a dit donc Rav Mari, d'après Chachamim, il va avoir un autre pitaon. C'est quoi le pitaon de Rabbi Mari? C'est le droit de. Je le mets en tant que. Je demande à un Kohen qui a des gros doigts, ouais, qui est Shamen, de faire la Kmitsa. Et si c'est un Kohen, si c'est un Kohen qui est Shamen qui fait la Kmitsa, alors les doigts ils seront un peu boudinés comme ça. Et donc il n'y aura pas de reste entre les doigts. Et donc il n'y aura pas de Safek. Ah, il n'y aura pas de reste. Ça veut dire qu'il y avait s'ils sont boudinés. Non, s'ils sont boudinés, ils ne laissent pas la place entre les. Ils n'ont pas la place entre les doigts. Hein? Maintenant, Ashta de Atit Leachi, maintenant qu'on a répondu comme ça, comme Rabbi Marie, Rabbi Eliezer Nami, Rabbi Eliezer aussi, il sera d'accord que les Khatrila, Dikmatse Shmene, que d'après Rabbi Eliezer, il sera d'accord que les Khatrila, il faudra prendre un Shamen pour pas rentrer, un Kohen qui est un peu Shamen, pour pas rentrer dans un. Ça fait. Tant qu'il ne soit pas Shamen, c'est toute la viande qu'il mangeait. Il ne faut pas oublier qu'il mangeait 2 semaines par an, hein, de la viande comme ça. Hein. Pas toute l'année. Et encore, 2 semaines, c'était un jour pendant la semaine. Quand tu ramenais un corban comme ça. Qui c'est qui travaillait au Betamidash? Les Kohanim. Les Kohanim, ouais, on avait dit que David Amenar, il avait donné 24 Mishmarot. Donc 24 Mishmarot, chaque Kohen, chaque famille, elle était une semaine au Betamidash. Donc cette semaine, il y avait les têtes de famille. Chaque jour, c'était une tête de famille. Et le Shabbat, tout le monde faisait. Donc il faisait une fois dans la semaine, une fois le Shabbat, et une semaine encore, il refaisait comme ça, parce qu'il y avait 24 fois, ça fait 48. Il y a 52 semaines, donc ça fait à peu près, le compte est bon, puisque les Chagim, ils étaient toujours là. Il n'y a pas d'autres corbanos que j'ai emmenés pendant l'année? Si, mais c'est le Kohen qui le faisait. Il ne mangeait pas? Si, le Kohen. Mais c'est quel Kohen? Le Kohen qui était de la Mishmer. Oui, donc ça tournait. Donc ça tournait, c'est pas. Ils n'avaient tellement pas l'habitude de manger de la viande qu'ils étaient malades. Il y avait un Kohen qui était responsable de leur donner du vin qui était bon pour la digestion. Ouais. Le vin bon pour la digestion. Un vin spécial. Ben Abenaim, donc la Gemara, elle va donner des simanim pour la suite. Ben Abenaim, Pachat, Umachat, Upizer, Vechishev, Vechafni, Be, Bachafinat, Chavero, Siman. Ouais, maintenant on va voir. Baï Rav Papa. La Gemara, elle pose la question de Rav Papa. Première question de Rav Papa. Ben Abenaim, Shalmelo Chofnam, Maou. Donc ce qui est entre les doigts, ce qu'on vient de poser, on a posé la question pour le comète, ouais. Maintenant, hein, ce qui est entre les doigts de la Chafina, ouais, de Ketoret, c'est quoi le din? Maïkami Baele. Igamar Melo Melo Meatam. Est-ce qu'on va dire que on fait Xerashava entre Melo Kumto et Melo Chofna? Ouais. Aïnoir, ouais, on a quand même la même question, puisque dans le comète, on n'a pas de réponse. On a dit ça fait, quoi.
Rav Papa Achi Baele, Melo Chofnav Vevi. Rav Papa il explique comme ça. Hein? Il a marqué Melo Chofnav Vevi. Il doit prendre sa main et il doit emmener. Bainan. Vaika. Vaika. Ouais, et là, il y a oui. Et donc, c'est Mitkayem. Pourquoi? Parce qu'il emmène entre ses doigts, il emmène. Ouais. Donc, tout ce qui est entre ses doigts, il emmène au Betamik. Il emmène dans la cuillère qui emmène, qui rentre au Kodesh et Kodeshim. Au Dilma. Ou alors, Velakar Vevi. Il y a marqué, il prendra Vevi Bainan. Vehaleka. Et il n'a pas pris. Qu'il est entre les doigts, c'est pas quelque chose qu'il a pris, c'est mis là-bas, ça s'est mis là-bas tout seul. Ouais. Et donc il n'y a pas. Moi, elle répond, Teko, on n'a pas la réponse pour Melochofnav. Est-ce que ce qui est entre les doigts de Melochofnav, c'est ça appartient, on emmène au Betamigdash ou pas? On est Maxi Roto ou pas? Amar Rafapa, il va poser plusieurs questions, il en pose une autre. Rafapa, il dit, Pshitali Melochumso, Kelekamse Inche, c'est pas juste pour moi que Melochumso, c'est comme les gens ils font et comme on a dit, ouais, comme on a dit plus haut. Bah, et Rafapa, il a posé la question. Kamatz berache et zvotav. S'il a. C'est quoi que les baïnche? Melokumso, c'est. Il prend sa main, il rentre entièrement avec le pouce vers le haut, et il fait la knissa. Alors, s'il a fait berache et zvotav, il a pris avec le bout de ses doigts. Mahou. C'est quoi le djinn? Mille mata les malins. S'il a pris vers le bas, vers en haut, et qu'il est monté vers le haut, mahou. C'est quoi le djinn? Mille atzadim. Qu'est-ce qu'il a. S'il a pris sur les côtés, mahou. La réponse, teko. On n'a pas de réponse. Toutes les questions qu'il va poser là maintenant. Ça va se terminer en tekou. Amar Rafapa. Rafapa, il repose encore une question. Pshitali, ou Melochofnav, de Melochofnav, Kelecham Fneinche. La Chafina, qu'on a dit, de Ketoret, c'est comme ils ont l'habitude de faire les gens, ça veut dire qu'ils mettent les deux mains dans le bac où il y a la Ketoret, et ils le soulèvent, ouais. Bah, Rafapa, parce que Rafapa, il pose la question, c'est quoi? Berachet, Vautavsi, il a pris avec le bout de ses doigts, Mahou, c'est quoi le din? Milemata le mala, s'il a pris du bas vers le haut, Mahou, c'est quoi le din? Milatzat, s'il a pris sur les côtés, Mahou, c'est quoi le din? Chafan, bazo ou bazo. Nous, on a dit Melochofna, c'est avec les deux mains, ouais. Alors, s'il a pris les deux mains collées, alors, s'il a pris les deux mains séparées, Mahou, bazo ou bazo, avec Revan, zo et tselzo, et après, il les a rapprochés, Mahou, c'est quoi le din? Teku, on ne sait pas non plus. Bae, Rafapa, il pose une question, on termine avec ça pour aujourd'hui. Dabke, la comète Bedofna de Mana. Le comète, il s'est collé sur le bord du cli, sur le bord du cli, il a pris du bord qui était collé sur le bord, sur les parois de l'ustensile. Hein? Maï, c'est quoi le djinn? Torkeli bainan ve'aika. Est-ce qu'on a besoin que ce soit le cli, qu'il soit à l'intérieur du cli? Et là, oui, il y a ce qu'il faut, puisque c'est à l'intérieur, mais c'est collé sur le bord. Ve'aika, odima, ou alors peut-être, anacha betocho ketikno bainan. On a besoin qu'il soit posé au fond du cli. Et ve'aleka, et là, il n'y a pas. Réponse de la Gemara, teko, on ne sait pas. On espère avoir la réponse très prochainement avec Eliyahu HaNavi. Baruch Adonai, l'air en l'âme. Amen, amen.